Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2 avec les conquêtes nordiques. Dans l'épisode précédent, nous avions fait l'ultime conquête nordique, si on peut le dire. Nous avions pris tout ce qui est tibétain, ce qui nous avait amené beaucoup trop de vassaux. Soit. Voilà. En 71, donc dans 5 ans, on va pouvoir passer en administration impériale. Ce qui va... Plus 25 vassaux, ça va énormément nous aider. Donc on va survivre 5 ans. C'est notre objectif. Et surtout après... non, franchement, je suis content. Et surtout, on a... Bon, on est toujours vassal de l'autre con. Hein ? On est toujours son vassal, mais... je suis quand même très content de cette survie... pour le moment, sans... Par contre, le problème, c'est qu'il va avoir les conquêtes mongoles, hein, bientôt les arrivées mongoles. 1100... Ouais, dans une cinquantaine d'années, il y a les mongols qui arrivent. Les Seljouks auraient déjà du pop. Donc, non, ils avaient pop, je pense, hein. Ils avaient pop dans cette région-là, mais ils ont été éclatés. Ils ont jamais survécu très loin. Il y a les Timourides, mais ça, c'est plus tard. Mais surtout, on va survivre au moins une première invasion mongole, ça va être très drôle. On va se faire poutrer la gueule pendant un moment. Je le sens. Ça nous permettra peut-être de quitter, hein, le jour des invasions mongoles. Ah, dommage. Dommage. Pourquoi? Parce que si ça avait été lui qui se rebellait, ben j'aurais fait une petite conquête. Bon, toi tu es en guerre contre... Oui, si tu veux. Déclarer la guerre, revendiquer Kaboulistan. Pourquoi j'ai des revendications sur tous les empires? Parce que je suis trop puissant, c'est ça? Est-ce que j'ai un revendiqué contre le Sulamide? Non, parce qu'on est potes. Est-ce que j'ai un revendiqué contre l'Empire byzantin? Non, je peux pas revendiquer. Je sais pas. Il y a des trucs, j'ai des revendiqués, mais pas d'autres. C'est incompréhensible. Ici, ben, j'ai revendiqué la même chose. Ah, mais c'est parce que je dois avoir le royaume de Jure, un truc comme ça. Ah ben, on va faire tourner un peu, déjà. Même si on est la plus grande menace et qu'on a éliminé la plus grande menace que nous avions. Ensuite, toi, déclarer la guerre. Conquête. Guerre sainte pour tout ton royaume. Ce qui ferait que je donnerais à lui, hein, Mashratra, là, mais qui est le roi de... Roi d'Inde. Roi de l'Inde. Ouais, bah, en gros, tout ce qui était royaume indien, je lui donnais. Il y a peut-être le Cachemire que je pourrais transvaser, machin chouette, mais... Genre, si je te fais annuler un titre... Déjà, est-ce que tu m'aimes? Pas trop. Si je te fais annuler un titre, ton royaume, tout le monde va me détester. Déjà que je suis pas hyper aimé... Alors, hein, ça donnerait tout ça, ça ferait pas un truc propre. Là, ça donne presque un truc propre, vous voyez. Tout ça, on lui donnera, et Cachemire, on lui donnera ce qu'il y a au-dessus. Est-ce que j'ai dû revendiquer tout ton empire ou un truc comme ça avec toi? Non. C'est vraiment avec certains, j'ai un revendiqué qui sort de nulle part. Là, j'ai revendiqué le Bengale. Ça a pas de sens. Non, le plus drôle, c'est de reprendre le Bengale. Revendiquer tout son empire, d'un coup. Et on donne tout à Mashrata. Mais on va attendre d'avoir le plus 25. Donc on va attendre 5 ans. On va faire un début de partie calme. Et promis, après on fera l'invasion du Bengale. Est-ce que c'est parce que je suis ambitieux, peut-être? Non, je suis pas ambitieux. Sympathie pour l'islam? Je ne sais pas. Allez, on accepte le mariage. On peut usurper le royaume de Perse. Très joli ici. Bon, toi, faudra encore te faire des guerres saintes. On va essayer de t'éliminer de l'ouest. Et puis de t'éliminer de l'est. Oh, on est parti sur... sur une jolie... World Conquest, peut-être. Vu le temps où on est, hein, on a commencé super tôt, mais vu le temps, on est en 1166, le jeu c'est 1453, vous avez vu ce qui reste?
Juste le fait de survivre à certains trucs, ça va être un peu plus compliqué que d'autres, mais voilà, c'est tout. Il galère vraiment, mais je vais pas aller me joindre à cette guerre. Est-ce que tu acceptes? Non, tu veux pas la paix, bien évidemment. On va laisser tourner bien vite alors. Alors, on arrive en trêve avec qui? On s'en fout d'arriver en trêve, probablement. Ouais, je sais pas si on fera la World Conquest. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, c'est qu'il y a lui, en fait. Mais le jour où on n'est plus allié, j'aurais peut-être des revendications. Est-ce que j'ai des revendications sur son empire? Non, apparemment pas. Mais j'ai plein de revendications. Mon fils aura peut-être des revendications. Ah, il a écrasé le Maharaja. Je m'en fous, hein. Et pourquoi? C'est vrai qu'il y en a plein qui sont indépendants parce que je les ai laissés s'indépendantiser. Mais si on regarde à côté, bon bah ils vont se faire réintégrer par nos vassaux. Toi tu es en guerre. Et ça, ils sont tous réintégrés petit à petit. L'empire de Mashrata là, il est très puissant. Trop puissant. Ici, toujours en stable ouvert. Offre de paix du roi, on s'en fout. Ici, bon, il faut franchement laisser tourner en vitesse max. Non, je peux rien faire, on va te laisser. Que veulent-ils? Je suis lunatique, c'est ça? Oui, mais je l'étais déjà, non? Ah non, j'étais Grandvérole, maintenant j'ai lunatique. Oh, ça peut être drôle. On peut avoir l'event qui fait qu'on a un chancelier cheval. Oui. On va améliorer le bourg. Mais j'espère avoir un chancelier cheval. Parce que. Bon, sauvegarde. Place de rassemblement. La capitale hyper développée. C'est quoi ça? Ce village même pas développé. Hop, ici, un hôpital. Auberge de pèlerins. Non, nous ne devrions pas parler de ceci. Hop, on développe aussi dans ce coin-ci. Chancelier. Oh. Il n'y en a pas un qui m'aime. Bon, on va essayer de voter pour toi. Toi, tu me détestes pas. Toi, on va nommer toi, allez. Même si tu me détestes. Si je venais à voter ceci, c'est moi qui vote, hein. Le conseil ne doit pas voter là-dessus. 71. Alors, un brebis égaré, très bien, on s'en fout. Dans ce coin-ci, ça va très bien. Par ici, en Europe, ça va très bien. En Afrique, ça va très bien. Tout le monde va très bien. La seule fois, ça répond. Là, ça va mal, mais ça vient d'être intégré. Laissons-nous le temps. Et en culture, non, celle-ci, juste à côté. Tout en Europe, ça commence vraiment à se convertir jusqu'en Mongolie. En Inde, ben, ça avance. Tout ce que je peux dire, ça progresse. Ça se répand petit à petit. Mais franchement, ça se répand bien. Les Indiens commencent voilà, à adopter notre culture. On va partir sur une presque World Conquest, en tout cas sur la partie. Ça va être très bien. Mariage, je prends. Ah ben voilà, ici il y en a un qui était intégré. Toi, est-ce que je peux te proposer mettre fin au complot? Non, déclarer la guerre. Conquête. Il y a plusieurs provinces peut-être.
Waouh, ça c'est vrai que c'est chiant, c'est être horrible à intégrer. Revendiquer, ben non, je peux pas tout revendiquer d'un coup. Ok. Ah si, je peux tout revendiquer d'un coup, très bien. Tous les anciens tibétains peut-être. Ça doit marcher comme ça. On a combien en thunes? 70. Sonore, Jérusalem. Non, c'est pas Jérusalem. Ça c'est Jérusalem. Et celui-là il se développe, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus grand. Non, on va auberge de pèlerin. Terrain d'entraînement. Plus de terrain d'entraînement. Ah, des gens pas contents. Voir, on s'en fout. Ici, qui n'est pas content? Ah, ils veulent le pouvoir du conseil. Vous allez vous calmer. Ils veulent ma thune, surtout. Non, toi, qui es-tu? Impression que toi, tu es mort. Sir Data. Ah, tu es en guerre ou pas? Non. Donc, Khorasan. Transférer le vassalage. Sir Data, je peux. Est-ce que je peux te transférer l'Andak aussi? Transférer le vassalage. Est-ce que tu es sous le roi de quel... sous un roi? Non. Landak, vu que c'est peut-être ici, on va voir si on peut le transférer au Cachemire, peut-être. Transférer le vassalage. Vassalage. Non. Landak, ça fait partie du Guge. Bouger. Qui est cette région-là et ça. Créer. Ok, on va le donner à Kwam. Transférer le vassalage. Demander un titre foncier. On a un titre foncier, je dis, royaume de Guge et tout ce qui est en dessous. Et ça, c'est pas sous notre protection, je suppose. Non, c'est très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres très chiants? Là, on vient d'en éliminer quelques-uns. Toi, roi d'Italie, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Détruite de vassaux, meurtrier, lunatique, grande vérole. Je t'envoie un petit cadeau. C'est con, un roi d'Italie, parce que bon. Ton titre, tu ne l'aurais pas sans moi. Accorder un titre honorifique. Tiens, on passe à zéro. Il y a un cadeau. Toi, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Forte ambition, machin chouette, envoyer un cadeau aussi. Toi, Smaland, je vais t'envoyer un cadeau. Finir toi, je t'envoie aussi un cadeau. Parfait, ça vous va comme ça? Ça devrait vous aller. Ne plante pas, ne plante pas. Attendre, c'est bon. Là, on est déjà plus qu'à un seul vassau de trop. Est-ce que toi, je peux te faire revendiquer maintenant? Non. Et toi, probablement que si. Non, toi, je vais te faire une guerre sainte, c'est vrai. Allez, plus que 4 ans, c'est ça. Ce sera pour quoi? Ce sera pour avril, donc ouais, un peu moins de 4 ans. Usurper, arrêtez de me dire d'usurper la Perse. Non mais oh. Pas fini? Graou, graou. What, c'est quoi ça? Hop, j'ai juste faire un screen. Hop, normalement vous ne voyez pas, vous. Voilà.
Hop ici, encore faction dangereuse. Toi. C'est bon, comme ça t'es plus heureux. Toi, pourquoi tu me détestes, c'est ça? Toi, non, je ne peux rien faire. Va falloir vous calmer, hein, les boys. Ce que je vais pouvoir faire aussi, ici on peut avoir combien? Voilà, hein, on va se faire une petite armée comme ça. Je vais pas refaire que du lourd. Je vais commencer par 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai pas la thune. 4. On verra, mais on va commencer à développer par une armée, une escorte de Oscarl. Voilà. On a fait 5. Et ensuite, on mettra un peu de cavalerie, puis des archers. Je peux lire le Coran, je m'en fous. C'est intéressant à lire. Soit tu es quoi? Soit juste. Une juste déprimée. Ah, guerre de revendication, d'accord. Non, ça renforçait ma piété. Là dans le nord en plus. Où es-tu? Oh, mais facile, on va se trouver quoi. T'as combien d'armées? 12 000. Viens ici. On va te mettre des bons généraux, des gens qui ont fait des croisades. Arrêtez de me dire que je peux usurper la Perse. C'est une grosse erreur à faire. Je le fais jamais parce que ça détruit le royaume. Je l'avais fait une fois avec les Byzantins pendant. Enfin, pour ceux qui étaient là à l'époque où je faisais la série ou ceux qui ont regardé. À un moment, il y a une coupure parce que mon PC, mon disque dur était mouru. Eh ben, j'avais dû recommencer parce que j'avais pas tout. Je faisais pas des sauvegardes régulièrement. D'ailleurs, ça fait un moment que j'en ai pas faites en externe. Je m'étais dit, tiens, je teste sur l'Anatolie. Toute l'Anatolie s'était disloquée, et à chaque fois, j'ai dû le réintégrer. Je m'étais tapé 100% de menace juste à réintégrer les gens. J'étais tristesse. Ça avait pris un temps fou, et donc, ouais, c'était chiant. Voire défaite. Je m'en fous. Putain, mais venez pas m'assiéger, bande de pute. Ah, je n'ai même pas l'armée juste à côté. J'ai pas les moyens, j'ai pas 20 000 hommes à venir opposer. 22 pute. Tu as combien, toi? 30... Ok, j'ai les 20 000 hommes. 22 pute. Paix, oui, mais j'ai plein de trêves, mais je vais faire des guerres non-stop après. Bon, on se tape une grosse attrition ici, mais ta gueule. Je vais juste ignorer. Ok, ils prennent des comtés, ils font des conquêtes, très bien. Je viendrai faire le gros nettoyage après, hein, mais il me reste 3 ans à attendre. Un peu plus de 3 ans. Paix blanche, donc toi, tu peux même te rentrer, on n'a plus besoin. Ça y est.
On va même pas s'arrêter, on va traverser leur territoire, on va passer par les fleuves. Khuzestan et boum. Ah mince, ben on va changer parce que c'est une grosse bêtise. On n'a pas un qui a du... Non, on n'en a pas un qui peut accélérer l'armée. Boum. Et si... Ah là là, il me voit arriver. On ne touche pas à mon armée. Boum, rip ton pays. Et même que vous pouvez rester ici. Ah, parfait. Je sais pas où tu étais. Tu étais où actuellement? À Jérusalem. Ah, Jérusalem a été converti. Gloire à Jérusalem. Bon, bah, on va... Dans ce coin-ci, toujours rien. Quoique, si, ici, il y a une hérésie, là. Et en Silésie. Non, t'es pas un cateau. D'accord, détruit. Quelle brillante idée. Oh, il s'est rendu. Qu'il est mignon. On a beaucoup d'argent, on a 400 pièces. C'est pas beaucoup d'argent ça. Alors ici on nous propose constituer un trésor de guerre, ce que je vais faire, il me faut 1000 pièces. Avec les 1000 pièces, je développerai la garde impériale. Hop, qui va monter, qui monte actuellement à 1000 troupes, donc une armée de 1000 soldats. Ça par contre je suis pas fan. Tu vas ici, et toi tu vas ici. Gardons ces infos. Parce que là, la garde, elle est pas encore développée, donc on va la protéger. Barre-toi, sauvageon. Après, oui, non, il vaut mieux laisser actuellement la garde se développer à la capitale. Parce que c'est la garde impériale, elle doit se développer près de l'empereur. Tu es en guerre contre qui? Personne. Tu es en guerre contre lui. Pour invasion. D'accord. J'aime, j'apprécie. J'apprécie les efforts de mes vassaux. Toi ici, déclarer la guerre. Toujours pas. Mais on pourra. On pourra, mais je ferai plus une guerre. Tiens, Valachie, ça me paraît bien. Une grosse zone. Partiellement occupée. Boum. Ça pourrait être bien. Mais je pense que, je sais pas en fait, vers où je vais diriger mes guerres. Probablement le Bengale, lui, et tout ce qui est les deux tâches ici, toi. Non, la tâche ici, du coup. Pas une deuxième tâche. Lui, et puis lui, on verra. Je pense que je dois avoir de l'invasion, sinon. Non, j'ai pas de revendication. Mais donc, lui, sur, ça, sur, tous les petits, là, Chandri, Doti, ça, Katmandou aussi, je pense que je pourrais le faire. Tout plein de petits, mais qu'il faudra... Très bien, ils font des conquêtes. Non! Ah non, mon dieu, c'est moche. Ça appartient aux Bretons, mais les Bretons ont fait un truc moche. Tu as combien d'armées, les Bretons? 7000. Tu as combien d'armées, l'Abyssinie? L'Abyssinicien? 6000, d'accord. Ce qu'on va faire, vu que de toute façon tu t'es imposé, bah c'est qu'on va faire une conquête. On va conquérir le reste du... Guerre Sainte pour Afar, non. Aksum, pas encore. Arar. Bah oui, autant conquérir les autres boucles. Alors tu viens ici. La Perse vient également.
Non, la personne ne vient pas du coup. On va appeler l'Inde, ça me paraît bien. Divisé en deux. Vous. En deux. Vous. En deux. Et vous montez en bateau et on va vous déposer tout près. Par contre, là, le fait qu'il soit à moins 63% alors qu'on n'a pas commencé la guerre. Ouais, je veux bien. Non. Parce que de toute façon, ça ira à la Bretagne. Vu qu'ils ont le 1 comté, ils auront tout le duché après. Ils peuvent facilement s'en occuper. Les bateaux, par contre, ils en sont loin. Ouais, ils sont encore loin. Non, parce que ça me ferait chier d'arriver à moins 100%. Contre qui entres-tu en guerre? Contre mon Yule. Oh, vas-y. Je viendrai te récupérer par après. Très bien. Je peux pas exiger la conversion. Tiens, je vais te recruter. Je vais exiger ta conversion maintenant, non. Envoyer un cadeau. Je t'ai pas exigé une conversion, toujours pas. Ben je vais. Vas-y, reste à la cour. Ok, c'est toujours les mêmes gogoles qui font des conquêtes. J'apprécie. Équité, oui, on veut un monde juste. Là, on va y déposer 5000 hommes et le reste, on va repartir sur les prochaines provinces. Ouais, hop, ici. Donc, on va mettre. Ah, on peut avoir 7000. 2000. Non, on va envoyer 5000 hommes. Et ici, 16000, on va les envoyer là et. Non, reste sur place alors, on va te déplacer après. Hop, une seconde, hop, vous allez juste à côté. Et ici, vous fusionnez et assaut. Donc tu disais moins 63% à la base. En 3 batailles, je viens de te ruiner la tête. Je serais presque chaud à te kiffer le siège. On va pas rester, non, on va te faire foutre. Perte de titre. Empire du. Oh putain, j'ai un deuxième fils, c'est ça. Je sais pas pourquoi je vais perdre des titres. Mais ici, Empire d'Hispanie, normalement, faut que je sois en paix. Et que les gens m'aiment bien. Ok. Ce qu'on peut commencer par faire, c'est. Non, je ne peux pas parce que. Bah, ils sont pas autorisés. Fuck. Ça va être très chiant. Oui, je suis redevable. Mais ça va me faire chier d'avoir des. Empire du Tibet, c'était la même chose. T'es Agnatique, partage salique. Et ici, par primogéniture, en paix. Aucun vassal ne s'affronte, aucun vassal n'a d'opinion négative. Ça va être chaud à gérer. On va commencer par le plus bas. Non, toi t'es une révolte. Paix avec Lituanie. Envoyer un cadeau. Et proposer un pacte de non-agression. Envoyer un cadeau. Envoyer un cadeau. Non, accorder un titre honorifique. Envoyer un petit cadeau. Et qui es-tu toi? Ensuite, mes vassaux.
Ici, non, toi j'ai dit tu fais la paix, donc ça va aller. Toi, envoyer un cadeau. De toute façon, tu vas m'aimer. Toi, envoyer un cadeau. Toi, envoyer un cadeau. Envoyer un cadeau. Tellement de petits gens que je pourrais redistribuer parce qu'ils ne m'aiment pas. J'ai plus l'argent pour envoyer de cadeaux. Bon, bah, on va attendre un peu. Très bien, cette guerre doit prendre fin. Oh mince, il est à nouveau expansionniste. Très mauvaise nouvelle. S'en fout, on est sous lui, hein, mais. Est-ce que je peux pas envoyer plus quelqu'un juste dans une autre province? C'est en Grèce, Éphèse. Je peux pas envoyer là 7000 hommes ici, 8000 hommes. Toi non. Toi à Assab. Je suis lunatique, je dois choisir une loi. Loi du navet, du pantalon, d'arrêt des violences ou. Bah on va mettre arrêt des violences. Attendu que les enfants du royaume sont devenus insensibles à la violence, attendu que la population a perdu tout respect pour le caractère sacré de la vie humaine, c'est pourquoi moi, Filkrir Otar, décrète que toutes les formes de violence à l'encontre d'autres êtres humains et hors la loi, y compris la peine capitale, les châtiments corporels, ainsi que la torture des criminels, des païens et des étrangers. Ces groupes sociaux vulnérables seront plutôt réhabilités et éventuellement relâchés dans la société en tant que citoyens productifs. Bah oui, vas-y, fais-moi un moins 5 avec tous les vassaux. C'est pas exactement ce que j'essaie de lutter. Contre quoi j'essaie de lutter? Non. Prendre un titre honorifique. Prendre un titre honorifique, je disais. Toi, je t'offre la paix. Ici, bah apparemment c'est quelqu'un de chez moi. Qui, je ne sais pas, mais. Ok, c'est un. Non, c'est pas de chez moi. Pas trop, non. C'est un qui est sous lui, c'est pas un de chez moi, non. C'est lui. C'est ça, c'est lui. Offrir paix, tant qu'il est temps, offre, accepte la paix. Hop, on va débarquer plus d'hommes. Et toi, t'iras plus vers le sud. Hop. Je te propose la paix, mais tu ne voudras pas. Bien évidemment que non. Donc on va aller vers Aksum. À tes souhaits. J'ai ça aussi à gérer. Je m'y attendais tellement pas à voir ça à gérer. À voir le Tibet qui implose, le Tibet qui se barre, l'Hispanie qui se barre, le royaume. Ça, c'est nul. Est-ce que le royaume de Lanka. Le royaume de Lanka, il est bien en. Par la primogéniture. On est bien. J'aurais tellement envie de te proposer la paix, mais je sais que tu vas refuser. J'en suis triste pour toi, tu vois, parce que bah, je sais que tu refuses, donc.
Ah, mais bien évidemment, c'est le moment de se barrer. Maintenant que tu as fait une conquête, je ne pourrai pas avoir le territoire. Cinq, quatre, trois, deux, un. Hop, hop. Tu vas verras rare. Bon, ici on perd du monde, mais province occupée. Je te propose toujours la même chose, la paix. Tu ne veux pas, on continue. C'est très rapide, c'est très pratique. Et après, pour les vassaux qui ne se battent pas, ça c'est le plus dur à faire. Ici, avoir des vassaux qui ne se battent pas. Aucun vassal n'affronte un autre vassal. Faudra aller voir guerre par guerre, interdire, bloquer les guerres, faire les paix. Waouh. Ah ben ça va être ça l'épisode du jour. Ça va être... on prépare la paix. Par contre, je pique un max de thunes. Ah non, maintenant que t'as dit que tu refusais. Ah, mais bien évidemment. Alors, on va accepter alors. Hop, offrir paix, accepter. Non, c'est ça, c'est on va accepter ici. Hop, on baisse tous les vassaux. On s'en fout de perdre. Hein. Hop, ceci. Mercenaire. Quand j'ai une armée mercenaire. Alors ceci, ben, je vais créer le Harar, je ne peux pas, je vais te donner à toi Busao, accorder un titre foncier. Busao et tout ce qui est en dessous. D'accord. Alors ici, je peux faire rechercher un traitement médical. Tant que vous savez ce que vous faites. Alors ensuite, mes vassaux. On va reprendre à partir d'ici. Toi, envoyer un cadeau, je ne peux pas. Accorder, non, je vais te transférer donc. Qu'à quelqu'un que tu voudrais, éventuellement. Convoi de l'Empire du Tibet, non. On va donc transférer un vassal qui ne m'aime pas. Et qui a une gueule d'Indien. Soit envoyer un cadeau. Soit envoyer un cadeau. Soit envoyer un cadeau. J'ai trop de terre aussi. Pourquoi? J'ai dû hériter de vieux petits trucs, c'est ça? Ah bah oui. Accorder un titre foncier. Ceci, c'est accorder un titre foncier. J'ai plein de trucs en trop. Genre j'ai des baronnies ici. Voilà, donc ça me fait déjà, j'ai plus le truc en trop, ça va peut-être aider les vassaux à mieux m'apprécier. Toi. Bon, parce que tu ne m'aimes pas parce que t'es pas de la même religion. Mais ça ira. Voilà, ça passe. Toi, je t'envoie un cadeau. Je ne peux pas parce que je n'ai plus d'argent, c'est ça ? Roi de France, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux te transférer, peut-être? Indigne, héritière, ben je te transfère héritière. C'est une femme? Non, ça, ça le fait pas. Ça le fait pas, pourquoi pas toi? Est-ce que je peux... non, je ne peux rien faire, donc je vais... trouver d'autres concubines. Prendre une concubine. Jeune et active, qui sont en prison, je m'en fous. Hop, prendre une concubine. Non, parce que si mon héritier est mort, ça le fait pas. Toi, non, toi t'es naine, on va éviter. Est-ce qu'il y en a une qui est avarice? Non, je voulais voir plus l'autre. Tiens, toi, envoyé. On fera genre de rien, elle est enceinte, on s'en fout. Peut-être qu'on pourra avoir l'enfant.
Et allez, on va prendre toi parce que tu es jeune et dynamique. Tant que les gens ne m'aiment pas. Ils sont à deux doigts de l'indépendance aussi. Toi, envoyer un cadeau à Visbis, très bien. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais à part le Tibet? Non. J'ai envoyé des cadeaux à ceux à qui je peux. On va attendre de se faire un peu de thunes. Et d'abord, je vais commencer par. Il nous apprécie. Oh, je pourrais, mais j'ai pas le temps. Je pourrais faire quoi, toi? Déclarer la guerre. Guerre sainte pour Bagdad. Par opinion. On est classé par opinion, réellement. C'est quoi ce classement par opinion, là? Hop. Là, je suis censé monter. D'accord. Si je descends, ils vont plus m'apprécier. Roi de France. Je ne peux rien faire. Ces trois-là. Toi, je peux. Hein. Envoyer un cadeau. Toi, je peux aussi. Envoyer un cadeau. Toi, tu es bon en quoi? On va peut-être réarranger. Ouais, ça va pas le faire. Non, j'ai évité. On va s'occuper de tous les petits. Voilà. Ils acceptent assez vite un cadeau. A fait fit, ça. Toi, je t'envoie un cadeau. Toi, je ne peux pas. Toi non plus. Toi, je t'envoie un cadeau. Accorder un titre honorifique aussi en plus. Toi, je t'envoie un cadeau. 28. Ah, il me déteste. J'ai plus beaucoup d'argent. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en France. Transférer le vassalage. Par opinion. Ceux qui ne m'aiment pas. Hop. Transférer le vassalage. Tu m'apprécies. Parfait. Ensuite. Dans ceux qui m'apprécient le plus. Hein, ça va plus vite comme ça. Toi. Enfin, dans ceux qui m'aiment pas mais qui m'apprécient le plus. Toi. Hop. Deux. Et ils sont contents. Transférer le vassalage. Voilà, t'es content, parfait. Ensuite, il n'y en a pas un autre. Toi, on s'en fout. Toi, transférer le vassalage. Transférer le vassalage. Et transférer le vassalage. Voilà, il m'apprécie. C'est déjà ça de gagner. Il y a aussi le fait qu'il y en a qui m'aiment pas parce que j'ai levé leur terre, leur troupe. Ça aussi, ça va passer d'ailleurs. Là, je peux toujours pas changer, hein, je suppose. Non, pourquoi? Parce qu'aucun vassal n'a d'opinion négative et aucun vassal ne s'affronte. Moins 100. Toi. Paix. La Perse, pourquoi tu ne m'aimes pas? Cette guerre doit prendre fin. On verra. Genre, toi, je peux essayer de te tuer, du coup. Ton héritier m'aimera un peu plus. Non, personne ne voudra te tuer. Ok, on retourne sur moi. Ici, toi, je peux t'accorder en plus un. Non, je peux. Je te transfère un autre vassal pour être sûr. Germanie. Envoyer un cadeau, tu demandes 250 pièces. Ah mais c'est ce qu'on va faire. On va. Franchement, je pense pas déclarer de guerre. Vu qu'on a deux empires qu'on risque de perdre et que je n'ai pas de fils. Ce que je vais faire, c'est également que je vais passer en famille comme intérêt. Bon, je serai peut-être un vassal de trop, mais je passe en famille. Je peux pas l'adopter.
Non, dommage. Bon, bah, je vais te délaisser. Hop, et moi, je vais prendre une autre concubine. Prendre une concubine. Une qui est en prison, tiens. Je te libère de ta condition si tu me fais un enfant. Qui soit en forme. Tiens, toi, je vais te prendre. Hop. Raté. Prendre une concubine. Par âge. Celle de 17 ans. Ah, bah parfait, une de 17 ans, scandinave. C'est le mieux. Parce qu'il y en a une qui est enceinte. Toi. Dommage, parce que tu devrais. Si tu me donnais des enfants, il y en aurait des intelligents, peut-être. Puis, ma. C'est un peu. Une femme reconnue pour sa forme. Ouais, c'est une bonne guerrière en plus. Le problème, c'est qu'elle est en mariage. Comment dire? Elle est mariée avec mon neveu. Et donc, ben, ce serait peut-être pas la même famille, c'est bizarre. Bref, je préfère avoir un fils qui prenne la relève. Tu fais ce que tu veux. Tenir un grand bleu, on va le faire. Et en plus, ils m'offrent des cadeaux quand ils ne peuvent pas venir. Mais c'est surtout que ça va augmenter l'opinion des gens. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est... Ouais, c'est ça. Faites vos conquêtes en Grèce, hein, apparemment. Je sais pas exactement quel truc. La côte, j'ai l'impression. Hop. Ouais, on va libérer les gens après le sacrifice. Ah non, à 2 secondes. Je suis en train de vous calmer. Transférer le vassalage. Toi, je te transfère. Super. Transférer le vassalage. Non. Là, tu es en. Tu as 0. C'est très bien. Toi, tu as moins 22. Je peux t'envoyer un cadeau? Non. Pacte de non-agression, tu ne veux pas. Si je te transfère un vassalage. Il n'y a pas d'autres indiens. Si, il y en a plein d'autres. Transfère un autre vassalage. Il lui en faut 3 donc au total. Accorder un titre honorifique, non, donc transférer un dernier vassalage. Lui. Ça accepterait un pacte de non-agression maintenant. Parfait. Que la fête commence. Opinion de plus 15 des vassaux pendant un an. Hop, vassaux. Il y en a encore beaucoup qui m'aiment pas, hein, donc. Toi par exemple, est-ce que je peux t'envoyer un cadeau? 26, parfait. Encore? Encore des rebelles? Ouais, on va être en négatif, mais... Parfait, vous étiez un... Ne rien faire. On va éviter de se mettre à dos des vassaux. Bon, toi... On ne peut pas redemander de l'argent à quelqu'un. Extorquer vos sujets. Les paysans. S'il y en a quelques-uns qui peuvent... Oh, 14 qui peuvent être libérés. Ça va me faire passer en positif, encore. C'est exactement... je ne peux pas, désolé. Hop, ici. Parfait. Parfait. Non, toujours en prison. Tout ce qui est enfant, oui. Adulte, non, c'est adulte, non. Tous les enfants, tiens, déjà, hop. Envoyé. On va faire un max de thunes. Là-dessus, là-dessus. Enfin, les enfants, quoi. Ensuite,
Ah, il y en a de moins en moins fâché, hein. Toi encore fâché. Bon, je transfère un petit vassal. Transférer. Il n'y a pas encore un indien dans le tas, si, voilà. Toi, je peux pas t'envoyer t'accorder un titre honorifique. Non, envoyer un cadeau. Toi, Smaland. Je peux pas te transférer à quelqu'un qui t'aime pas. Transférer un vassalage. Toi, où es-tu? Alors toi, normalement, je vais pouvoir déjà te dire capituler. Et donc tu fermes ta gueule. Envoyer. Emprisonné. Hop, tu es un traître. On va accepter les mariages. Peut-être que ça va également calmer les gens. Hop, ici, roi d'Aragon. Je peux également transférer quelqu'un. J'ai plus de petits hindous. Je vais t'en transférer. Non, pas lui. Je transférerai ça. Ce que je pourrais éventuellement faire, c'est une conquête et donner des terres à ceux qui m'aiment pas. Prendre le Bakirid. Déclarer la guerre. Faire ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais lever les troupes d'ici. Je vais aller faire ça. Et je distribuerai des terres à celui qui m'aime le moins, c'est-à-dire lui. Hop. Allez, on est parti contre le Bakirid. Déclarer la guerre. Ici, hop. Je monte un bateau. Bon, tu restes sur place en fait. Pourquoi? Parce qu'on va te diviser en 4. Et toi, on va te diviser également en bateau. On va durer Simone. Ça n'en fait pas partie, hein. Thaïs, non. On est en 70, donc on va bientôt passer en 71, bonne nouvelle. Parce que l'opinion des vassaux va changer positivement avec ceci. Non, c'est pas ça, ceci. Non, faudra attendre un peu. On va d'abord gérer l'histoire des gens pas contents. Par contre, moi, j'irai plus sur le champ de bataille. Parfait. Hop, ici, on envoie 8000 ici. On envoie 8000 ici. Très bien. C'est... Non, désolé, je refuse. Et c'est l'entrée, c'est inquiétant. Non, parce qu'ils veulent tous m'acheter des faveurs. Hop, toi tu vas à la région suivante. Ok, j'accepte un gens qui vient. Hop, ici. Toi, tu débarques également. Bon bah ici, ils sont en pleine épidémie, c'est pas drôle. Trois, deux, un. Stop. Ici c'est passé, par contre on n'a plus de réserve. Des révoltes, mais les révoltes ils savent les gérer les vassaux, non? C'est pas fait pour ça. Graou, graou. 3, 2, 1. Alors, un à l'est. Non, toi à l'est et l'autre à l'ouest. Surtout qu'il y a un autre fort. Super. Je te proposerais bien une paix, mais tu ne voudras pas, je suppose. Non, pas encore.
Là, on va attendre d'avoir les renforts pour faire feu. Oups, je tape le micro. Ici. Avec 5000 en plus, ça arrivera à 9000. Ranimons la flamme de notre amour. Bah oui, moi je veux un bébé, hein, donc. Je veux un fils viril et fort qui pourra maintenir le royaume en place. Ils sont chiants. Mais tellement chiants. On verra après. Hop. C'est bon là. T'acceptes pas la paix? Non, ici. On va faire des assauts. Ah, t'acceptes. Parfait. Alors, ici, on va baisser. Ça, on baisse. Ok. Alors, dans les vassaux, pas content. On va prendre, toi, accorder un titre foncier. Et on va partir d'un temple. Toi, accorder un titre foncier. On va donner une baronnie. Accorder un titre foncier. Cité. Accorder un titre foncier. Je ne peux pas t'accorder de titre foncier? Non, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas des. What? Je peux t'envoyer un cadeau éventuellement. Voilà. Ah, mais c'est parce que c'est un truc de révolte probablement. Ici, toi. Paix avec Cachemire, encore. Toi. En plus d'envoyer un cadeau, on va t'accorder un titre foncier. Temple. Toi, accorder un titre foncier. Cité. Et accorder un autre titre foncier. Une autre cité. Accorder un titre foncier. Temple. J'ai moyen de t'envoyer un cadeau peut-être? Non, accorder un titre foncier. Temple. Accorder un titre foncier. Ben là, je vais t'accorder Dofar. Non, je vais faire maintenant ceci. Je ne peux pas l'usurper. Non, ben j'ai tout donné à la même personne. Roi de Perse, accorder un titre foncier. Alors on a Dofar qu'on avait dit. Qu'est-ce qui est en dessous? On a un titre foncier. Mara. On a un titre foncier. Katiri. Voilà, là il me kiffe à mort. Faudra faire une autre guerre rapidement. Et je pense que je ferai une guerre en chez les Byzantins. Ici. Bah ça va se calmer petit à petit. Alors, les Byzantins. Histoire de donner d'autres terres. Déclarer la guerre. Est-ce que j'ai le droit juste à de la guerre sainte? Ok. On va regarder. Guerre sainte pour Édesse. Déjà, c'est pas à côté. Ça fera moche. Vidine. C'est pas complet. Valachie, il y a combien? Il y a 4 terres actuellement, d'accord. Transylvanie, il y a une terre. Tarécie, il y a une terre, c'est Constantinople en gros. Thrace, il y a quelques terres, ouais, c'est pas énorme. Thème, non. Tabriz, non plus. Slavonie, tout petit. Samos, probablement pas intéressant. Salerne, waouh. Rashka, 3 terres. Peste, une terre. Panflagonie, 2 terres. Mésopotamie, 3 terres. Mudar, une terre. Moldavie, une terre. Kurdistan,
de terre. Karuna. Pas grand-chose non plus, je suppose. Une terre. Kartili. Pas grand-chose. Ithil. Une terre. Halab. Une terre. Gilan. Une terre. Crimée. Une, deux, trois, quatre. Allez, on fait une guerre pour la Crimée. C'est bien ça, c'est bien une guerre pour la Crimée, très bien. Je peux même t'offrir la paix sans avoir fait d'occupation. Non? Ah, j'aurais été prêt à le faire. Hop, on lève les troupes. En bateau, et on vient ici. Cette guerre doit prendre fin. Là, ça va passer, ça va passer. Dès que j'aurai calmé les histoires d'empire qui sont en trop là. Parce que triple empereur, c'est bien, mais c'est chiant. Parce qu'en plus, après, faudra dire aux gens d'arrêter de faire des guerres. Hop, 2, 1. Fais l'assaut. 87. Je te propose la paix. Oui, voilà. Ça aurait été très vite. Hop, ensuite, on va retourner. Donc, toi, Afrique, regardez un titre foncier. Si, c'est bon. Toi, bah, tu vas te calmer. Ce sera fait. Accorder un titre foncier. En Crimée également, je dois t'en accorder 3. Peux t'envoyer un cadeau peut-être? Non, encore accorder un titre foncier. C'est bon là, tu l'as, t'as assez. Austrasie. Cité. On a un titre foncier. Temple. M'en reste-t-il accorder un titre foncier? Non. Donc, est-ce que je peux créer la Crimée? Non, je ne peux pas la créer. Donc, je vais ici, je remonte. Je vais donner au roi de Germanie qui sera plus logique. On a quoi? On a Crimée pour commencer. Non, Crimée. Nat-Nipper. Nipper, voilà. Je dois avoir Oleschi et... Ouais, c'est ça. Quoique, si je veux, je pourrais faire autre chose, mais je vais lui donner... Qui est l'autre? Est-ce qu'il y en a un autre salé de la région? Le Mongol. Hop, on va le dessaler aussi, accorder un titre foncier. Oleschi. Hop, et accorder un titre foncier. On a Lucoménie, non? Le donne. Voilà. Tu n'es plus trop salé, c'est bon. Et toi, est-ce que je peux t'envoyer un cadeau? Ça va pas aider, mais c'est déjà ça de gagné. Super. Et donc, ce que je vais devoir faire, c'est probablement... Rien, je vais te transférer des choses, alors transférer des vassaux. Accorder un titre honorifique, je ne peux pas. Tu as moins 32, il faut 4 vassaux. Toi, tu es... On va mettre par opinion les vassaux. Toi. Transférer le vassalage. Voilà, et pour finir, transférer le vassalage. Et donc maintenant, pour changer ceci, il faut juste être en paix. Ça va casser les couilles.
Et qu'il n'y ait plus de guerre. Ok, donc on va commencer par la paix. Toi, où te situes-tu? Putain, c'est même pas ma guerre, ok, c'est vrai. Hop, c'était pas ma guerre. Viens ici. Et toi, surtout, ça va être le plus facile à tuer, normalement. Viens ici. Parfait. Voilà qui est mieux, oui. Les vassaux, maintenant. Ah, il y en a un qui m'aime pas encore. Envoyer un cadeau. Et des terres qui vont. Ok. Alors, il y en a combien? Deux. Le don. Donne. Et j'ai pas l'argent. Ok. Une guerre de moins, super. Contre qui es-tu en guerre, le Danemark? L'anglais. Faire trêve avec. Paix avec le Danemark. Quoi que tu me demandes. Quoi que tu me demandes. Parfait, merci. Ici, Austrasie contre Germanie. Non. Germanie, tu vas faire la paix. Paix avec Austrasie. C'est guerre d'apprendre fin. Super. Bah, tu vas organiser l'armée. Des gens à revendre en prisonnier? 10 pièces d'or, wab. Par contre, je peux normalement extorquer des sujets, l'église. Si je fais hop, il y en a d'autres, non? 40 pièces. Ici, cela. Tu es en guerre, hein. Guerre de revendication sur Smaland. Paix avec Smaland. D'accord. Cette guerre doit prendre fin. Alors, on en a encore beaucoup de guerres avec d'autres vassaux. Putain, y a pourquoi à nouveau il y en a un qui a une opinion négative de moi? C'est qui toi? Ok, donc, qui a une. Qui est un. Ok, transférer un vassalage. Ah, et je peux même. Si, je peux. Voilà, hop. Toi, c'est fait. Transférer un vassalage. Si, j'en ai vu un là en négatif. Hop, c'est bon. Toi, ouf, encore. Transférer un vassalage. C'est bon comme ça? Paix avec Westergotland. Cette guerre doit prendre fin. Oui, je me retrouve dans la dèche niveau thune. Qu'il y a encore beaucoup de vassaux qui seraient en guerre les uns contre les autres. Bon, il y a toujours des gens qui ne m'aiment pas. Je ne suis pas en paix, ça n'aide pas. Alors, mes vassaux. Sérieux, mais. J'arrête pas de donner des trucs, d'envoyer des cadeaux. Ils arrêtent pas d'être mécontents toutes les 5 minutes. À un moment, faut se calmer, quoi. Toi, tu vas faire la paix avec la Germanie, t'as pas le choix. Bon. Niveau thune, on est en PLS.
Et on en a un qui nous déclare la guerre par-dessus. Ah, mais peut-être que ça va calmer les gens. Vu qu'on est en guerre, les gens nous apprécient. Ah, ben on va continuer sur cette guerre. Sur une guerre d'agression, bien évidemment. Sauf qu'on sera en... On a... Comment dire? On sera en guerre. Mais est-ce qu'il faut manquer juste le fait de... Non, il y a encore des vassaux qui s'entretuent. Hop, on diminue. On est en 71, donc maintenant le gouvernement peut. Avril. Guerre des vassaux seulement externes. Oh. Mais je sais, je pense que ce sera dans le même, la même lignée. Ce qui est très chiant, mais. C'est quoi? C'est un djihad qui fait? Non, c'est une guerre de libération. Un jour. Toujours personne qui a de la vitesse. On va mettre ça. Et toi, normalement, tu vois du léopard, c'est. Non, c'est pas assez du siège. Faudrait l'autre alors. Il faut que je regarde également, c'est dans le grand livre. Il y a un truc normalement sur les guerres. Guerre en cours. Calife. Toi. Je ne peux pas, ok. Est-ce que je pourrais... Hein, par attaquant, peut-être, oui. Ok, chef, on s'en fout. Toi ici, Asborn. T'es pas mon vassal, d'accord. Grand maître de Frioul. Ok, ça on s'en fout. Ça ici. Très bien, toi. Très bien, le frêle. Il y en a beaucoup qui se battent maintenant. Il manquerait une page en guerre de vassaux, peut-être. On va regarder. Levée de troupes, pays, notre domaine, nos prétendants. Donc il manque bien une guerre de nos vassaux. Toi, t'es pas sous moi. Toi ici, non plus. Le français, toi tu es sous moi. Paix avec le Danemark. Très bien. Je sais que je m'endette. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup des guerres actuellement? Il y en a déjà, il y a des vassaux qui me détestent. Toi, tu vas te calmer. Mais... Genre toi, contre qui es-tu en guerre? On va retourner dans le grand livre. Non, pas nos titres. Je regarde. Non, les attaquants, on verra. Je ne vois pas ça, toi, Chypre. Bon, il n'est pas direct. Toi. Toi contre Kaboulistan. Kaboulistan est indépendant, fais-toi plaisir. Toi. Fais-toi plaisir. Toi. En plus. Idem, toi fais-toi plaisir. Hein, toi. Je ne peux rien faire. Toi ici. Non plus. Toi non. Je vois pas qui sont les vassaux dans mon pays qui s'affrontent en fait.
Par contre, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est passer en administration impériale. Ah bah du coup, les vassaux, ils sont un peu moins contents. Non, tout le monde, il est toujours heureux. Très bien. Est-ce que je peux changer la loi ici, maintenant? Non. Ah, il faut que je sois en paix. Alors, toi, tu finis ta guerre. Ici... T'as beaucoup de terres? Ouais, t'as quelques terres. Ici, on va lever les hommes en bateau pour aller plus vite. Super. En bateau. Non, pas couper en bateau jusqu'à ici. Que puis-je lever également? Île de Méditerranée, j'en ai combien? 3000, je prends. C'est toujours ça de gagner. Tout ce qu'il y a ici. Ici, je prends également 7000 jusqu'à ici. Plus ceci. Vous deux, là, vous allez aller ici. Non, mais passez plus par là, par hasard. Et lui, il fait ça, et puis il ira vers le sud, et puis il y en a un qui ira jusqu'à leur capitale, s'il n'a pas atteint les 50%. Et toi en Inde, là, à part jouer au chat et à la souris, je vois pas. Ça y est, on t'a attrapé. Et il y a l'autre guerre qui est en cours, mais ça... À part le détruire, je vois pas. Hein. Offrir paix. Voilà, une. Oui, je sais, j'ai plus d'argent, ça, on est dans la dèche, je suis au courant. Ah, cette guerre a pris fin, très bien. Je vais faire appel à lui pour qu'il vienne m'aider maintenant. Bien évidemment, super. Alors ici, je vais prendre quelqu'un qui m'apprécie un minimum. Ouais. Si je voulais changer la loi ici, toujours. Ah, il y a des vassaux qui ne m'aiment pas, à nouveau. Encore les mêmes. Je vais t'exécuter. Voilà. On a dit pas de guerre. C'est le seul qui me déteste et qui est en guerre. Donc. Et toi là. Hop, non, t'es pas chez moi. Désolé, j'ai pas le temps de m'occuper de ta guerre. Encore. J'ai la mienne à gérer. Donc une fois que toi t'as fini ici, tu vas aller jusqu'à... t'en as 7000 qui vont aller là. Et 11000 qui vont aller à Mossoul. Et pour ton meurtre là, ça va, ça se calme. Bon, je ne comprends pas par contre pourquoi je n'ai pas le droit de, lui demander de la paix. Qu'il fasse la paix. Toi, tu vas venir ici. Là, la mort à 300%, ça devrait aller. J'ai même rien rajouté parce que je suis à moins 400 thunes, mais... Ça devrait le faire, ça passe.
Ah, il y en a un autre en plus. Toi, tu vas faire la paix. Par contre, toi, je comprends pas pourquoi je peux pas te le dire. Et toi, tu fais la paix également. Et stop, hein, les révoltes. Il n'y a plus que toi, mais toi je ne comprends pas, je peux pas te le demander, donc on va t'assassiner. On va quand même t'envoyer rien du tout parce que comme je t'ai dit j'ai pas de thunes. Mais on va essayer de t'assassiner, juste on finira la guerre quand tu seras mort. Seule chose à faire. Mais il a déjà dû déclarer la guerre et refuser enfin, refuser mon offre, et donc ça doit jouer de là. Bon, là c'est impossible, ok, ici. Impossible, on va ici alors. On est à 100%, mais non. Tant que lui n'est pas mort. En plus, ça me permet de piller ces provinces. J'apprécie grandement ça. Ça me permet d'avoir de l'argent. Puis, tant qu'on est sous une menace, hein, c'est les gens, ils se sentent menacés, ils acceptent plus facilement mon autorité. Toujours pas, ancienneté. Il faut juste être en paix. Ah, il est plus en. Si, mais pour Hispanie et. Ah, pour le Tibet, par contre, je suis pas sûr. Pour le Tibet. Si je voulais changer. Ouais, non, il faut. Pour le Tibet, c'est sûr. C'est la mort. Mais pour l'Hispanie, on peut se débrouiller. Et donc, pas de fils, hein. Pas de fils à l'horizon, pas de concubine enceinte. Non, non. Et non. D'accord. Donc, on va avoir une impératrice. Toi, où es-tu? On aille te calmer très vite. Peut pas lever en plus les armées. Non, mais il faut. Ici, surtout. Ah, il est toujours en rébellion, hein, là. Vassaux, il y a toujours lui. Il est pas encore. Pourtant, il y avait un plan qui a été activé, donc il est censé se passer quelque chose bientôt. Victoire. Non, raté. Je te dois une faveur. Non, désolé. Vassaux, il y a toi qui ne m'aimes pas non plus. Pourquoi? Ah bah il y a une place. En tant qu'intendant en conseil, on va nommer le roi de Serbie. C'est bon? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Meurtrier reconnu, meurtrier reconnu. Transférer quelques vassaux, tu vas être content? Accorder un titre foncier peut-être. Non. Transférer donc quelques vassaux. Soit. C'est pas lui. Transférer un vassal. Soit. Et transférer. Je sais, hein, c'est pas une chose à faire. Mais c'est pour éviter d'avoir mon empire qui se sépare en trois.
Alors, allez, dites-moi que c'est fini. Que l'autre, il va crever, surtout. Ah, je vais faire un épisode bien long. Les gens, ils vont être contents. Hop, allez. Il n'a pas encore crevé, hein, non. Mais il y avait un plan qui était en route. Donc il est mort. Donc maintenant, si je viens ici, si je regarde Tibet, il y a encore des vassaux qui s'entraffrontent. Non, normalement t'es mort. Donc normalement, si je regarde ici, vassaux. Encore au Tibet? Non, ici, au Tibet. Si, il y a encore des vassaux qui s'affrontent au Tibet. Paix avec Yutsang. Parfait. Désolé. Si je regarde Tibet. Ok, on vassal ne s'affronte. Et opinion négative supérieure. Encore des vassaux. Toi. Paix. Toi. En guerre? Non, donc toi je vais te transférer alors. Transférer à Yutsang. Transférer le vassalage petit. Donc, toi je t'ai demandé normal. Ah non. Ah si, si. Bon bah, on n'a pas le choix. Pourquoi? Bah, Espagne, je pense que ça passerait. Par contre, Tibet, ça ne va pas passer. Cette guerre doit prendre fin. Tibet, ça passerait sans celle-ci. Non. Il faut bien tuer le dernier. C'est très long et très chiant. Mais on y est presque, hein. On a presque atteint l'objectif. Niveau thune en plus. Ça commence doucement à remonter. Surtout quand on pille notre ennemi. Nous pouvons plus faire marche arrière. Ok. Ah, guerre des vassaux externes. Donc ça veut dire que maintenant. Si je viens ici, guerre des vassaux externes. Ok. Guerre des vassaux externes. Dire que normalement, ceci. Voilà, il faut être en paix. Faire ici, offrir paix. On va faire changer la loi. Non, parce qu'il y a des vassaux qui se raffrontent en Espagne. Primogéniture. Père, et donc le titre. Le roi d'Espagne, je peux le détruire. Mais je viens de changer le gouvernement en Espagne. Et je viens. Ah, il faut que je change celui-ci, c'est sa primogéniture. Aucun vassal ne s'affronte. Il y a encore des vassaux qui s'affrontent. Et les gens qui me détestent, bon bah ça c'est classique. Pour les gens qui me détestent. On va faire une autre guerre rapidement. Contre qui? Eh bien, contre lui. Déclarer la guerre. Ça, c'est occupé. Non. Donc, on va déclarer la guerre pour la province du Nord. Pour Mossoul, non. Pour Mudar, non. Ben, on va faire guerre sainte pour Bagdad. Ok, et on va faire venir pas mal de renforts. Déjà, ceux de Perse, ils sont en route. Et ceux-ci, on va diviser en deux. En bateau, et on va vous envoyer ici. On verra ce qu'on fait de vous. Il y a des gens ici qu'on peut lever? Non. Non. Mais bon, on a l'Espagne, ça a été géré. Je comprends pas pourquoi on peut pas détruire, hein, probablement parce qu'il reste le Tibet qu'on doit gérer.
Agitation de nomades, ça attendra. Actuellement, vassaux, bah, y en a beaucoup qui sont vénères. Transfert un vassalage. Soit à Azov. Transférer un vassalage. Toi, Elst. Transfère. Non, toi, pas transférer. Transférer un vassalage. Non, pas de. Si, celui de Stockholm, allez hop. Je le gère plus comme ça. Transférer un dernier. Transférer un dernier vassalage. Ok. Samien, ça veut dire que j'ai des armées dans le coin, on s'en fout. Transférer des vassalages ici. Hop, un. Envoyer un cadeau. Transférer un vassalage. Quoi, je peux pas t'envoyer plus de cadeaux. Bon, bah, on va faire la conquête. Ça vient vite, j'espère. Ici, chancelier. Je vais nommer toi qui m'apprécie. Même si c'est con, j'aurais dû nommer quelqu'un qui m'aimait pas, mais... Voilà. Et normalement, donc tous mes lois sont guerre externe. Guerre externe, guerre externe ici. Faut que je nomme ici guerre externe. Ok, je vais mettre guerre de vassaux illégale. Réputation illégale. Ok, ici, sur celui-là, régulation de l'héritage illégale. Est-ce que ici, si on regarde, en paix, toujours des vassaux qui s'affrontent. Donc, qui s'affrontent illégalement. Alors c'est des vassaux du Lanka, mais ça m'étonnerait. Ou alors il y a des, si on regarde, lors des révoltes. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un épisode aussi long et... toi tu as des... On va regarder, paix avec Yutsang. Et toi, bah, on va t'exécuter. On verra qui fait le malin. Alors, on va en envoyer une qu'on va envoyer sur la capitale. Non. Ça, et puis ça. Très bien, cette guerre doit prendre fin, comme d'habitude. C'est chaud en dèche, mais ici, en faisant ça, je récupère un tout petit peu d'argent. Voilà, petit oiseau vole, très bien. J'ai récupéré Bagdad, c'est une bonne chose, non? Hop, et toi, vu que tu t'ennuies, tu vas aller te mettre ici. Pop, hop, hop. Un jour. Faut recommencer. Dommage. J'aurais espéré qu'il réussisse du premier coup, ça aurait été bien. Ma réputation est détruite. Genre elle l'était pas déjà. Paix avec. Mais Yutsang, tu fais quoi? Tu dois faire une merde pas possible pour taper autant de. De rebelles, hein. Où es-tu? Enfin. Oui, cette guerre doit prendre fin. Ah, ils sont chiants à me foutre dans la dèche comme ça. Si je suis pas le plus pauvre royaume du monde,
À cause de... Ouais, là c'est un peu plus long, tu m'étonnes. Lui qui va pas m'aimer. Il va le prendre super mal que je pique son empire. Non, je vais leur réclamer 50 pièces d'or à des pauvres. Donc maintenant, est-ce qu'il y a encore des vassaux qui s'affrontent? Normalement, non. Des vassaux qui me détestent, oui. Non, et attends, t'es pas encore mort, toi? Et on est où, ta mise à mort, là? On va accepter. Hop, on baisse nos troupes. Non, on fait ceci. Hop, normalement ici, si on regarde, pour le Tibet, on pourrait faire passer en succession. Non, parce qu'il y a encore des gens qui s'affrontent. Non, tu es mort. Tu es mort, toi, non? Pas toi qui es mort? Non, la vie est trop courte pour la haine. Pas avec Cash. Ah, c'est son frère. Bah je vais te faire exécuter aussi alors. Parce que la loi c'est la loi. Toi je t'offre une paix, offrir paix blanche. J'ai trop de terre, je m'en rends compte. Voilà, super. Alors, mes vassaux. Toi, accorder un titre foncier. Une baronnie perdue au milieu du désert. Toi, accorder un titre foncier, toujours. Un temple. Et accorder un titre foncier. Je vais t'en offrir deux, comme ça. La cité. Toi, tu vas... normalement, tu fais quelque chose? Non? Putain, faut aussi que je t'exécute. Mon dieu. Ils sont chiants, tous s'entretuer. Toi, accorder un titre foncier. Cité. Et accorder un autre titre foncier. Baronnie. Toi, tu vas te faire foutre. Toi, tu iras te faire foutre aussi. Toi, accorder un titre foncier. J'ai des cités encore. Des cités, parfait. Accorder un titre foncier. Parce que bah, c'est son régime. Cité. Toi, non, comme je l'ai dit. Toi, roi d'Afrique. Accorder un titre foncier. Temple. Accorder un titre foncier. Temple. Accorder un titre foncier. Temple. Trois temples. Toi, non, ici. Toi, roi de Xia. Cité. Un titre foncier. Temple. Accorder un titre foncier. Baronnie. Toi, on verra. Toi, je vais rien faire non plus. Donc en somme, qui ne m'aime pas, il reste ces deux-là. Toi et toi. Garder un titre foncier, tout ce qui est en dessous. Est-ce que je peux usurper? Non, Bagdad, non. Ok, donc toi, accorder un titre foncier. Déjà transférer un... Non, garder un titre foncier. Le premier Al qui vient. À la Mara, tout ce qui est en dessous. Transférer le vassalage de Al-Nadaf. Accorder un titre foncier. Non. Est-ce que tu m'aimes? Ouais. Pas à 100. Pas de façon... je vais t'accorder un autre titre alors.
Kerbal, accorder un titre foncier. Kerbala. Ok, donc si je regarde dans mes vassaux, maintenant ceux qui me détestent, c'est eux, mais je vais accorder Bagdad. Toi, c'est en dessous. Et je vais accorder, toi, je vais t'accorder le titre de Kermash. Kermasha, et tout ce qui est en dessous. Bon moment pour frapper. Fantastique. Tu es là. Tiens, Kaboulistan a déménagé. D'ailleurs, c'est super bien nettoyé cette région. Toi, Manastra, mais c'est très beau nettoyage. Toi, déclare. Ah, je peux pas te déclarer la guerre parce que tu n'es pas indépendant, c'est ça? Tu es sous lui. Allez, prends-toi maintenant. Mince alors. Ouais, mais le plan est en route. Fantastique. Je peux usurper la Perse, mais on s'en fout. Tiens, toi, je t'envoie accorder un titre foncier peut-être. J'ai rien d'autre. On verra plus tard. Ah, ici, ils ont bien grignoté l'Empire byzantin. Alors, en fait, l'Empire byzantin est fini, hein. Toi, proposer une vassalisation. Non, déclarer la guerre. Vassalisation forcée. Que je donnerai à l'Italie, mais vassalisation forcée. Parce qu'on ne quitte pas mon empire comme ça, sans raison. On a combien? 1h42, waouh. Je commence à légèrement fatiguer. Surtout que juste avant, j'ai fait un autre record. J'ai enregistré du Stellaris juste avant, pour commencer la journée. Donc ouais, ça commence à pouf. Doucement mais sûrement. Et en plus j'ai des rebelles. T'inquiète pas, Italie, je vais te faire un cadeau, tu seras content. D'accord, d'accord. Un nouveau plan. Évitez d'aller lui dire. Cette fois-ci, peut-être. Hein. Je pense que c'est la meilleure solution pour que ça réussisse potentiellement. Je veux bien t'offrir la paix. Est-ce que tu accepterais? Oui. Bon, ça va plus vite comme ça. Je baisse mes armées. Italie. Roi d'Italie. Non, roi d'Italie, il est au-dessus. Transférer le vassalage de Foggia. C'est bon, tu m'aimes. Qui reste-t-il, du coup? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont... Oui, il y a un nouveau qui s'est rajouté. Paix avec Mongolie, tiens. Et toi, je peux pas. Non. Parfait, très bien. Falloir recommencer. Ça fait 50 fois qu'on essaie de le tuer. Hein. Il s'accroche, le petit. Hein. Fantastique, un nouveau plan. Dites-moi qu'à la fin de... que je pourrais finir ça avant la fin de l'épisode, please. Et ainsi, on pourra reprendre les conquêtes pour le prochain. Même si mes vassaux se débrouillent très bien, apparemment. Et l'enfant là, c'est lequel l'enfant qui se révolte? C'est lui. Il est mort? Parfait. Et toi donc, toi ce que je vais faire c'est que je vais t'envoyer un cadeau. Tu m'aimes un peu. Et je vais te dire, tu fais la paix avec Cachemire.
Très bien. Et donc ensuite il reste toi. J'ai pas le choix de te tuer. Allez, tout le monde venez tous. On va se faire une petite partie. Envoyer un cadeau. Je ne peux pas d'envoyer. J'ai pas l'argent pour envoyer un cadeau à la reine d'Angleterre. Et toi? Toi non plus. Et à toi, roi d'Italie. Non plus. Bon, mais avec 200, quasiment 300%, ça devrait quand même passer. Dans tous les cas. C'est joli. Il reste plus que ça. Franchement, c'est devenu ridicule, ridicule et magnifique à la fois. On a une super Inde. Est-ce qu'il y a encore, si on va voir ici pour le Tibet, ancienneté, juste en paix et que les vassaux arrêtent de s'affronter. Quoi, j'avais dû ranger mes troupes, une connerie comme ça. On va la voir. T'es sûr de venir? Ah, dans tous les cas, je t'intercepte. Ouais, allez, on peut le faire. Il y en a d'autres qui se sont mis à se révolter. Non, par contre, il y en a énormément qui sont vénères. Ok. Toi, mais toi, tu vas mourir. Toi, paix avec Mastra. Toi, paix avec Alexandre. Toi, je vais te transférer un vassalage. Lui. Et toi, Visby, je vais t'envoyer un cadeau. Ça ne va pas. Accorder un titre honorifique et chanson. Et ensuite, je vais te faire cadeau de quoi? Encore un qu'il faut aller détruire. C'est une autre révolte? Offrir paix. Alors, qui reste-t-il? Il reste deux révoltes plus un pas content. Toi, je suis en train d'essayer de te tuer. Toi, on te tuera juste après. Mais à chaque fois que j'arrive à calmer trois révoltes, il y en a cinq qui se relèvent, quoi. Donc, Voir. Défaite. Non, c'est des pillards, on s'en fout. Superbe. Il a été tué, je m'en fous. Bon bah les gens me détestent de plus en plus. Toi, faire la paix. Et toi, on va t'assassiner. Oh mais ils sont tellement chiants. Je vais mourir, mon empire va se diviser en 3 millions de morceaux parce qu'il y a des cons qui veulent pas se calmer un peu les fesses. Juste parce qu'il y a deux cons qui veulent pas s'arrêter de se battre. Non-stop, c'est toujours les mêmes en plus, c'est toujours des bouddhistes qui se relèvent. Donc tu vas te calmer, tu vas te faire tuer. Et ensuite, toi, tu te feras tuer aussi. Du monde, 127%. Il y a de moins en moins de monde qui veulent se mouiller hein, quand même. Je m'en fous. Arrêtez de me casser les fesses. Toi, négocier, non. Négocier, non. Négocier, non. Négocier, non. Négocier. Que ça, il y a que des pillards chez moi. Pourtant, je suis nordique. Mais ils viennent tous me piller. Et ils doivent tous venir du Sulamite. C'est la seule raison. C'est la seule possibilité. Toi, je peux pas te redéclarer la guerre, non. Je vais pas tarder à m'arrêter et on continuera la prochaine fois parce que ça commence largement à m'agacer. Révolte à deux noix, toutes les 5 minutes, le fait que... Non, il y a personne qui... Les gens n'écoutent pas l'empereur. Genre, normalement, ce genre de truc, les gens, ils finissent en prison. Tu vois, tu le...
T'arrêtes pas ta guerre, t'obéis pas à l'empereur, tu finis en prison. Mais là, tu peux pas. Cette cupidité ne vous va pas. Va te cacher sur l'île, parce que là, tu te prends toujours des révoltes dans la gueule, t'arriveras jamais à 1000. Ici. Très bien. Toi, c'est parce que t'es quand même un Danois, c'est ça? Enfin, t'as un nordique converti, machin chouette. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de monde qui veut te tuer. Oui, viens. C'est vrai que c'est un peu la merde dans le pays pour le moment, mais... Toujours expansionniste et toujours stable. Déclarer la guerre. Je pourrais pas, mais après je pourrais faire une guerre pour tout l'intérieur de son pays. Ça va être bien, ça va aider aussi quand il y aura des gens pas contents. Alors, pour le moment, on a deux révoltes. C'est ça. Donnez-moi un peu d'argent. D'ailleurs, ici, ce qu'on va faire, c'est construire, premièrement, un château. Et ici, il faudra attendre. Il progresse. On galère, mais ça progresse. D'accord. Je peux demander de nouvelles choses ou juste un artefact pour le moment. Puis-je te déclarer la guerre? Non. Parce qu'on est toujours alliés. Pour le moment. Toi, qui es-tu? Je ne sais pas. Je t'envoie un cadeau, ça te calme, super. Toi, roi de Bretagne. Non, mais le fait que je sois un meurtrier, ça aide pas. Voilà, on va s'arrêter ici parce que je commence à saturer un peu. On a quand même fait un épisode de quasiment 2 heures. J'espère que ça vous aura plu, qu'on retourne un peu à mode à l'ancienne pour une fois. Donc on s'arrête ici. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.